Vingt-troisième heure. Mort, Jésus est transpercé par la lance et descendu de la croix. Mon Jésus mort, toute la nature pousse un cri d'angoisse et vous reconnaissant comme son Créateur, elle pleure votre mort douloureuse. Les anges par milliers volent autour de la croix en pleurant votre mort. Ils adorent en vous le vrai Dieu et vous accompagnent au limbe où vous allez béatifier les innombrables âmes qui reposent dans ce sombre donjon depuis l'aube des âges. Mon Jésus mort, je ne sais comment me séparer de la croix et je ne me lasse pas d'embrasser sans cesse vos plaies très sacrées qui parlent si éloquemment de votre amour pour moi. Je vois vos horribles déchirures et regarde un par un vos os mis à nu par de profondes plaies et je me sens mourir. Je voudrais pleurer sur ces plaies jusqu'à les laver de mes larmes. Je voudrais vous aimer tellement que mon amour serait comme un onguent précieux pour vous guérir complètement et vous rendre la beauté naturelle de votre humanité défigurée. Je voudrais vider mes veines pour remplir les vôtres de mon sang et vous rendre la vie. Ma vie, mon Jésus, y a-t-il quelque chose que l'amour ne puisse faire L'amour est vie, et avec mon amour, je veux vous donner vie. Et si mon amour ne suffit pas, donnez moi votre amour, et avec votre amour, je serai capable de faire n'importe quoi. Oui, je serai capable de donner vie à votre très sainte humanité. Je pleure et suis prise de frénésie en déplorant la mort de mon Jésus crucifié. Mais alors que je pleure mon Jésus? Mon cœur bondit de joie dans ma poitrine en voyant que même après la mort, vous voulez, mon doux Jésus, exprimer et confirmer votre amour pour moi en m'offrant un abri et un refuge dans votre propre cœur. Alors, pour cette raison, poussé par une force suprême afin de prouver votre mort, un soldat Transperce votre cœur avec une lance, ouvrant une plaie profonde. Et vous, mon amour, vous versez les dernières gouttes de sang et d'eau que contient votre cœur enflammé. Ah, que de choses me dit cette plaie, ouverte par votre amour. Si vos lèvres sont silencieuses, votre cœur me parle et je l'entends me dire, mon enfant, après avoir tout donné, j'ai voulu que cette lance ouvre dans mon cœur un refuge pour toutes les âmes. Mon cœur ouvert criera continuellement à chacune, viens à moi si tu veux être sauvé. Dans ce cœur, tu trouveras la sainteté, il te rendra sainte, et tu y trouveras le réconfort dans les difficultés, la force dans la faiblesse, la paix dans les doutes et la compagnie dans l'abandon. Puis, votre voix se fait plus forte en disant, Ô oh âme qui m'aimait, si vous désirez réellement m'aimer, venez demeurer toujours dans ce cœur. Vous y trouverez le véritable amour pour m'aimer. Vous trouverez ici les flammes ardentes pour vous brûler et vous consumer complètement dans mon amour. La moindre sortie hors de ce cœur vous privera de bien des grâces et vous rendra différente de moi. Tout est centré dans ce cœur. Vous y trouverez les sacrements. Mon Église est la vie de l'Église et de toutes les âmes. Dans mon cœur, je sens même les profanations faites dans mon Église. Je ressens les complots de ses ennemis, les flèches qu'ils lui lancent, les souffrances de mes enfants opprimés et le sang qu'ils vont verser. Car il n'y a pas d'offense que ce cœur ne ressente. Aussi, mon enfant, passe ta vie dans ce cœur. Abrite-toi derrière ces portes et défends-moi, fais-moi réparation et apporte-moi toutes les âmes. Mon amour, si une lance a blessé votre cœur pour moi, je vous supplie de blesser également de vos mains mon cœur, mes affections, mes désirs et mon être tout entier, qu'il ne reste rien en moi qui ne soit blessé par votre amour, que tout soit uni à la douleur déchirante de votre chère mère, qui devant la souffrance qu'elle ressent en voyant votre cœur déchiré, des failles d'amour et de douleur, telle une colombe, elle vole vers votre cœur pour y prendre la première place, pour être la première réparatrice et vous l'établissez reine de votre cœur et médiatrice entre vous et les créatures. Je vole avec votre mère dans votre cœur pour écouter comment elle fait réparation et comment elle répète ses réparations pour les offenses que vous recevez. Par la puissance de cette plaie et de votre mère douloureuse, je vous supplie de nous enclore tous dans votre cœur bien-aimé pour protéger défendre et éclairer les chefs de votre église ô oh mon jésus après une mort aussi atroce et douloureuse il n'est que juste que je ne vive plus pour moi-même je ne trouverai maintenant ma vie que dans votre cœur blessé afin que, quoi que je fasse, je dépende toujours de votre divin cœur. Je ne donnerai plus vie à mes pensées. Mais lorsqu'elles voudront la vie, elles la prendront des vôtres. Ma volonté n'aura plus de vie, mais si elle veut la vie, je la prendrai de votre très sainte volonté, et mon amour n'aura plus de vie. Mais s'il veut la vie, je la prendrai de votre amour. Ô oh, mon Jésus, votre vie entière est mienne. C'est votre volonté, et c'est aussi la mienne. Mon Jésus mort, je vois qu'il se hâte de vous descendre de la croix. Vos disciples Joseph et Nicodème, qui se cachaient, n'ont plus peur et s'avancent maintenant courageusement pour vous donner une sépulture honorable ils se servent de marteaux et de tenailles pour accomplir l'acte sacré de la descente de votre corps de la croix une scène trop douloureuse pour le cœur transpercé de votre mère elle tremble et son cœur transpercé frissonne à chaque coup de marteau et à chaque grincement des tenailles qui enlèvent les clous. En gémissant, elle dit, mon fils, mon fils, et elle tend ses bras maternels pour vous recevoir sur ses genoux. Mon Jésus, je veux moi aussi soutenir votre très saint corps. Pendant qu'ils enlèvent les clous, je veux prendre les clous qu'ils vous enlèvent et les planter dans mon cœur comme un souvenir permanent de votre très amère passion. Je veux être entièrement cloué à vous avec les mêmes clous qui vous ont crucifié. Et en vous déposant sur les genoux de votre mère, je veux la serrer dans mes bras et la soutenir avec votre sainte mère, je veux vous adorer, vous embrasser et m'enfermer ensuite dans votre cœur pour ne plus jamais le quitter. Réflexion pour quinze heures. Il semble que les humiliations ont cessé et que les victoires ont commencé pour Jésus après sa mort. Mais est ce que ma vie pourrait être elle aussi, après ma mort, un appel pour les âmes et une incitation vers le bien? Afin de m'engager encore plus à aimer Jésus dans toutes mes paroles et mes actions, dans toutes les souffrances que je pourrais endurer, je croirais que ma parole continuera à vivre dans les autres pour glorifier le Seigneur afin qu'il puisse être compris et aimé davantage. Si mes œuvres incitent les autres créatures à œuvrer pour Jésus, si mes pas les amènent vers Jésus, si mes souffrances sont la patience de toutes les créatures, les assurant qu'elles suivent toute la volonté de Jésus, alors au ciel, tout ce que j'ai fait sur la terre continuera à vivre chez les créatures. Par conséquent, l'amour que j'avais sur la terre pour Jésus et mon amour pour lui maintenant au ciel se rejoindront Oh, que tout cet amour puissant comme un aimant puisse transporter au ciel toutes les créatures. Après sa mort, Jésus voulut être transpercé par une lance, par amour pour nous. Est ce que je permets à l'amour de Jésus de me blesser en tout ce que je fais? Ou est ce que je me laisse blesser par l'amour des créatures, des plaisirs, et par mon amour propre? Même la froideur, l'obscurité, et les mortifications internes et externes sont des plaies que le Seigneur donne aux âmes. Mais si nous ne les acceptons pas comme venant des mains de Dieu, nous les acceptons alors des mains des créatures, et elles nous blessent, ou nous nous blessons nous-mêmes. Et nos blessures et celles des créatures sont nos passions, nos faiblesses notre exaltation, en un mot, notre matière. Cependant, si nous les acceptons comme des blessures infligées par un Jésus aimant, nous placerons dans ces blessures son amour, ses vertus et sa ressemblance, ce qui nous vaudra alors ses baisers, ses tendres caresses et tous les conseils de son amour divin. Ces blessures seront des voix continuelles qui l'appellent et lui demandent de demeurer constamment avec nous. Nous lui dirons Vous m'avez blessé maintenant guérissez-moi. Ô oh, mon Jésus, que votre lance soit la gardienne qui me défende contre toutes les plaies des créatures. Jésus se laisse descendre de la croix et déposer dans les bras de sa mère. Si mon Jésus me prive de sa présence ou de sa grâce sensible, est-ce que je trouve refuge sur les genoux de notre douce mère en la suppliant de me révéler Jésus Est-ce que je place tous mes doutes, toutes mes craintes et mes aspirations dans les mains de ma mère est-ce que je permets à Jésus de se reposer sur mes genoux Ou est-ce que j'interrompe son repos par mes larmes et mon agitation Ma mère, de vos douces mains maternelles, enlevez tout ce qui dans mon cœur pourrait empêcher Jésus de s'y reposer.